En deuxième année du secondaire, la première enquête, celle qui se déroule entre la rentrée des classes et le congé de la Toussaint, l'enquête numéro 5, est consacrée aux campagnes, au Moyen Âge et au temps moderne. En quatrième année, toujours du secondaire, vous avez un chapitre qui porte sur la fin de l'Ancien Régime. C'est donc précisément dans le cadre de la préparation des leçons que vous pourriez faire sur ces sujets que j'ai décidé d'étudier avec vous un texte, un document précis qui vous permettra de comprendre de l'intérieur, si je puis dire, ce qu'était une seigneurie sous l'Ancien Régime. Cette seigneurie se situe en fait en Bresse. Alors, la Bresse, ça s'écrit comme ceci. La Bresse se trouve à l'est de la Bourgogne, donc en France. Et plus particulièrement, je vais étudier avec vous une seigneurie qui se trouve dont le cœur se situe à une trentaine de kilomètres de Bourg-en-Bresse, qui est la seigneurie de Pontanvel. La Velle étant une rivière. Je vous montre ceci, la situation plutôt de cette seigneurie sur l'Atlas. Alors, vous avez ici donc l'est de la France, vous avez la Suisse, donc vous avez ici le lac de Genève, le lac Léman. Alors, à la hauteur de Genève, vous avez Bourg-en-Bresse, exactement sur la même latitude. À une trentaine de kilomètres à l'ouest de Bourg-en-Bresse, vous avez Pontanvel, qui est donc la seigneurie que nous allons étudier aujourd'hui. Bourg-en-Bresse se situe approximativement, en tout cas à vol d'oiseau, hein, à une centaine de kilomètres de Genève. Je vous ai dit que Pontanvel se situe à une trentaine de kilomètres, toujours sous la même latitude que Genève, donc à une trentaine de kilomètres de Bourg-en-Bresse. Et vous voyez que par rapport à Lyon, à vol d'oiseau, il doit y avoir approximativement 80 ou 90 km. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut savoir donc, pour pouvoir situer la seigneurie dont le cours qui va faire l'objet d'un cours maintenant. Je vous ai distribué un document. Alors je vous demanderai de numéroter les lignes. Alors, si j'ai bien calculé, il y en a 32. Vous voulez compter tous les 5, hein? 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, jusque 32. Ce qui nous permettra évidemment de pouvoir, enfin, ce qui me permettra de vous communiquer plus facilement les informations. Dans un premier temps, je vais bien entendu d'abord lire. Avec les élèves en secondaire. Pendant la lecture, je vous demanderai de souligner les mots qui posent problème pour la compréhension et ceux qui, à vos yeux, poseraient problème pour les élèves de secondaire. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de termes techniques, mais qui renvoient à des réalités très concrètes pour les seigneurs et pour les paysans de cette époque-là. Les mots qui posent simplement problème parce que les élèves ne les connaissent pas alors qu'ils font partie du langage courant, je vous demanderai de les souligner au crayon. Les autres seront soulignés en couleur. Alors, je vous conseille, comme la semaine passée, ou comme il y a plutôt 15 jours, de souligner dans trois couleurs différentes les mots difficiles en fonction de leur objet. Donc, dans une première couleur, je vous demanderai de souligner
tous les termes qui renvoient à, comment dirais-je, à la propriété, dans une deuxième couleur, tous les termes qui renvoient à la justice et au droit de police, et enfin, dans une troisième couleur, tous les termes qui renvoient aux redevances. Je crois que c'est essentiel de donner aux élèves des consignes claires. Alors, si vous deviez enseigner sur cette matière avec des élèves, je crois que le plus simple, ce serait de choisir des couleurs conventionnelles pour toute la classe, de telle manière qu'il n'y ait pas de confusion. Hein ? Moi, ici, j'ai utilisé du rouge pour tout ce qui renvoie au terme de juridiction liée au territoire, à la terre. Ensuite, j'ai souligné en noir tout ce qui renvoie aux droits de justice et de police, et enfin en vert tout ce qui renvoie aux droits seigneuriaux perçus sur les paysans. Je lis le texte. Il s'agit, comme vous le voyez, d'un aveu et dénombrement de la seigneurie de Pont-de-Belle en 1773. Aveu et dénombrement de la terre et seigneurie de Pont-de-Velle en Bresse, anciennement érigée en titre de comté, membres et dépendances qui sont Bizia, Baie, Cormorange, Rusy, Griège, Lay, Mépia, Saint-Jean des Aventures, Saint-Julien-sur-Velle, Saint-André-du-Rouillat, les hameaux appelés de Jacques et de Namari, paroisse de Vona, mouvant en fief de Sa Majesté, à cause de son pays de Bresse, pour ce qui est en fief noble, que donne au roi et à nos seigneurs de la Chambre des Comptes de Bourgogne et Bresse, à raison de la dite mouvance, Dame Élisabeth Thérèse Marguerite Chevalier, épouse et procédant de l'autorité de Monseigneur ou de Messire, plutôt ici, M.R.E. Messire, Charles-Louis de Pressat de Marestan, comte d'Esquignac. Ancien château, il s'agit d'une description. De la dite seigneurie dépend un vieux château situé dans la ville de Pont-de-Velle, dont il ne reste aujourd'hui qu'une grosse tour carrée servant de prison. Château moderne, un château bâti à la moderne, près la ville de Pont-de-Velle, dans une presqu'île, dont l'enceinte est fermée par la grande et petite rivière de Velle, consistant en appartements, chapelles, colombiers, écuries et remises, et joignant ce château sont un jardin, verger, terre labourable, prés, vignes hautes et promenades. Droits seigneuriaux appartient à la dite dame. À cause de la seigneurie, la justice haute, moyenne et basse, la dite justice ressortissante au bailliage de bourg. Item, le droit exclusif de nommer les officiers de la dite justice tels que juges, châtelains, greffiers, curiales, procureurs postulants et deux sergents. Dans le droit de nommer des messiers, gardes chasse et pêche, gardes forestiers. Dans le droit d'amende qui sont occasionnés par crime, délit, quasi-délit, chasse et pêche, les dites amendes prononcées par le juge châtelain du comté, plus ou moins fortes suivant l'exigence des cas. Droits généraux. En un droit de langue par chaque grosse bête qui se tue dans l'étendue du comté, lesquels sont portables au château de Pont-de-Velle à peine de frais. En un droit de l'aide dans la ville et faubourg du dit Pont-de-Velle, qui consiste à percevoir chaque jour de foire qui s'y tiennent, 2 sols par chaque tête de grosse bête et 3 deniers par chaque tête de mouton qui s'y vend, à exiger 1 sol de chaque marchand tenant banc, dans le droit exclusif de chasse et pêche dans toute l'étendue du comté. Arrière-fief. Item appartient à la dite dame. La suzeraineté sur les arrière-fiefs ci-après rapportés, mouvant de la dite seigneurie.
savoir sur l'arrière-fief appelé de la Falconnière, situé en la paroisse de Saint-André de Rouillat, sur l'arrière-fief de Marmont, situé en la paroisse de Vona, sur l'arrière-fief de Monspé. Rente noble, item, appartient à la dite dame, à cause de la seigneurie, les rentes nobles, qui consistent en sens et taille, qui se perçoivent en gros denier, sol, obol, poule, noix, seigle et froment, sur les maisons, cours, jardins, prés, terres, bois et vignes, les licences emportant l'eau et vente, à raison du sixième denier, payable et portable, tel que le tout est énoncé en un cahier en forme de terrier, contenant les reconnaissances des censitaires, lesquelles rentes nobles ci-dessus produisent annuellement 7 à 800 livres suivant le prix des denrées. Ce document provient de la série B11111 des archives départementales de la Côte d'Or, en Bourgogne, en Castres, département. Et ça a été publié par Abiatessi et Perdri dans un livre intitulé « Les débuts de la Révolution dans les pays de l'Ain, 1787-1790, à Bourg-en-Bresse, en 1989, page 40-40. Il est évident que si vous deviez travailler sur un texte comme celui-là en deuxième ou en quatrième, il devrait être non seulement abrégé, mais simplifié. Le texte que je vous donne ici, c'est parce que vous êtes en deuxième année, hein, de l'enseignement supérieur. Vous vous rendez bien compte que c'est trop compliqué pour des élèves qui ont 13 ans ou qui auraient 15 ans. Ce serait beaucoup trop dur, hein, à moins d'y passer, évidemment, 3 semaines. Hein, vous n'auriez évidemment pas le temps. Donc, ce que je vais faire avec vous, c'est traiter le sujet de manière approfondie. Je vais parler vraiment au fond des choses. Ne vous en faites pas, il y a une série d'institutions que je ne vais pas détailler, parce que là, ça prendrait vraiment trop de temps. Mais je vais essayer d'aller à l'essentiel pour que vous compreniez bien ce que c'est qu'une seigneurie, hein, et quel était le système juridique et partiellement social qui existait sous l'Ancien Régime, 15 ans donc avant la Révolution française, enfin 16 ans pour être précis, puisque ce texte date de 1773 et la Révolution, comme vous le savez, date de 89. Voilà. Quand on analyse un document, vous savez qu'il y a deux parties. On analyse d'abord le document, je dirais, quant à sa forme, et ensuite on étudie le document quant à son fond. Donc, premier élément, le document lui-même, avant de passer à la problématique et à l'analyse de son contenu. Trois choses à noter. Premièrement, c'est quelle est la nature du document. C'est la première chose à faire. Quand vous voyez la référence qui se trouve en bas du document, il est indiqué donc qu'il s'agit d'un document inévitablement sous forme papier à cette époque-là, soit que ce n'est pas de nature électronique, soit papier. Ce document est manuscrit. Alors, il est manuscrit pourquoi ? Parce que ce document, hein, est en aveu et dénombrement, c'est-à-dire que c'est une description d'un fief qui doit obligatoirement être faite lorsqu'il y a une mutation, donc quand il y a changement de titulaire, de propriétaire. Alors, la nature du document ici, vous mettez donc que c'est donc un aveu et dénombrement de fief, c'est-à-dire une description précise du fief et de tous les droits et redevances qui lui sont liés. Ça, c'est le premier élément. Donc, c'est bien un document juridique. C'est pas un document économique et social. C'est pas un document fiscal non plus. C'est une description. Alors, ce document passe obligatoirement, je vous l'ai dit, devant un notaire. Quand on reprend le premier paragraphe, vous voyez, il est indiqué
que ce fief est donc mouvant de Sa Majesté et qu'il va être enregistré à la Chambre des comptes de Bourgogne et Bresse. Donc le notaire, en présence ici de la comtesse d'Esquignac, donc Dame Élisabeth Thérèse Marguerite Chevalier, hein, ou un de ses représentants, en présence du notaire, donc déclare, fait une déclaration de bien et de droit, le notaire le met sous une forme qui est valable en droit, donc sous une forme juridique, et c'est la Chambre des comptes de Bourgogne qui va l'enregistrer pour le valider. Vous savez qu'à l'heure actuelle, quand vous achetez une propriété, le notaire, ben, il rédige l'acte de propriété et ensuite, vous devez faire enregistrer, enfin c'est le notaire qui le fait pour vous, mais vous verrez certainement la note passée parce que non seulement vous payez les frais d'honoraires au notaire, mais vous payez également des droits d'enregistrement hein, qui sont perçus évidemment par une administration du ministère des Finances, à notre époque, je dis, hein. Alors, on va passer maintenant à l'auteur du document. L'auteur du document, ce n'est pas le notaire. Le notaire, c'est un intermédiaire. Il ne fait que mettre en forme une déclaration qui est faite par la comtesse. Autrement dit, celle qui est seigneur de la seigneurie de Pont-en-Vert. Donc, l'auteur du document, c'est bien la comtesse. C'est elle qui déclare. Alors, dans quelles circonstances devait-on faire cette déclaration? Je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il y a une mutation. Plus que vraisemblablement, ce texte a dû être rédigé et enregistré à l'occasion d'un héritage que la comtesse a fait. Sans doute venant de sa propre famille, elle a dû hériter ses parents, d'un oncle, d'une cousine, que sais-je. Dans le texte, il est question, regardez bien, il est dit qu'elle est donc l'épouse d'un comte, le comte d'Esquignac, et il est dit également dans le paragraphe 3 qu'elle vit. Enfin, on peut imaginer qu'elle vit de temps en temps dans le château bâti à la moderne, qui lui est habitable, alors que l'ancien château, vous avez bien compris, hein, qu'il s'agit d'une ruine, et qu'il n'en reste plus qu'une grosse cour carrée servant de prison. Hein? On peut supposer, puisqu'elle est mariée et que son mari vit ailleurs, eh bien qu'elle ne réside que très rarement à Pont-en-Veil, dans sa seigneurie. Je dirais que c'est... utiliser un terme actuel, c'est un petit peu sa résidence secondaire, c'est peut-être sa maison de campagne. Elle doit venir de temps en temps, puisque le château est habitable, manifestement, il suffit de voir comment il est décrit. Alors maintenant, le contexte. Pourquoi ce document est intéressant à étudier? Eh bien, parce que justement, il est révélateur, je dirais, de ce qui constitue quand même l'essentiel sur le plan institutionnel, sur le plan juridique et social, constitue l'essentiel de l'Ancien Régime. En effet, jusqu'à la veille de la Révolution française, plus des trois quarts des Français vivent à la campagne. Certainement 80%. On parle même de 85%. Quand vous êtes à la campagne, vous êtes soit paysan, soit seigneur, pour simplifier évidemment toute une série d'autres personnes qui vivent à la campagne. On a vu qu'il y a un personnel qui entoure le seigneur, hein, une série de... Vous avez vu, les questions de juges, les questions... Il y a aussi des curés, il y a aussi des artisans, on est bien d'accord. Mais l'essentiel, ceci dit, les paysans se divisent en plusieurs catégories. Nous l'avons étudié il y a 15 jours,
il y a des paysans qui sont très pauvres et qui sont salariés, qui travaillent pour quelqu'un d'autre, pour un seigneur ou pour un gros paysan, ce qu'on appelle un fermier à cette époque-là. Vous avez des paysans qui sont qui appartiennent à ce qu'on appellerait la moyenne bourgeoisie à l'heure actuelle sur le plan social. Hein, parce que bourgeoisie à cette époque-là, c'est un terme qui serait tout à fait inadéquat puisqu'un bourgeois c'est quelqu'un qui vit dans un bourg, un citadin à cette époque-là. Mais donc les gens qui sont vraiment à l'aise, ce sont ceux qu'on appelle les laboureurs d'ailleurs, parce qu'ils possèdent un train chargé. On a vu ça il y a 15 jours. On ne revient plus là-dessus. Et à côté de ça, vous avez une masse de gens qui sont des mendiants, hein, des gens qui lorsqu'il y a des crises frumentaires, lorsqu'il y a des épidémies, qui doivent, comment dirais-je, chercher, qui ne peuvent pas vivre facilement. Alors, soit ce sont des pauvres structurels, hein, c'est-à-dire là, on est pauvres de père en fils, parce que bon, le système veut que, hein, ils ne sont pas parvenus à pouvoir travailler sur des terres, donc ce sont des paysans qui bougent. Puis il y a des pauvres conjoncturels, c'est le temps d'une crise, hein, qui se trouve dans une pauvreté vraiment très très importante, et c'est seulement lorsque la crise est dépassée qu'ils parviennent de nouveau, alors qu'ils sont installés quelque part, à survivre. Voilà. On va passer maintenant à l'analyse du contenu. En essayant de problématiser le sujet. Alors, en introduction, il faut observer qu'il y a un certain nombre de limites quand on analyse ce document. On ne peut pas lui demander d'apporter un certain nombre de renseignements qui, par définition, par nature, vu ce type, vu la nature du document, des renseignements qu'il ne pourrait pas apporter. Alors, quels sont les renseignements qu'il ne pourrait pas apporter ? Eh bien, tout d'abord, il ne peut pas nous renseigner, par exemple, sur les rapports entre les paysans et le pouvoir monarchique. Donc, il ne peut pas être question dans ce document-ci des impôts, par exemple, qui sont payés au roi. Donc, le rapport avec l'État central, il n'en sera pas question ici. On a vu il y a 15 jours que les paysans doivent à l'État central, au XVIIe siècle, ils doivent la taille royale, à partir de 1695, ils doivent également la capitation. Par la suite, ils vont devoir payer le 20e, et c'est seulement à partir donc, du milieu du 18e siècle, donc à l'époque de Louis XV, qu'ils vont payer le 10e. Les paysans devaient aussi prester la corvée royale au 18e siècle, qui était détestée, qui consistait essentiellement à réparer les routes. C'était un nombre de jours obligatoires par an, les paysans travaillaient pour l'État, gratuitement. Il ne sera pas, bien sûr, ici question de la gabelle, puisque par définition, ça relève de l'État, ça ne relève pas de la seigneurie. Il ne sera pas question non plus des traites, qui sont ces droits de douane que j'évoquais antérieurement. Donc il y a une série de choses qui ne peuvent pas apparaître dans ce type de document. Les rapports à l'Église ne peuvent pas apparaître non plus sur le plan économique et social. Donc, il ne sera évidemment pas question de la dîme ici. La dîme, officiellement, ça veut dire la dixième partie de ce qui est produit par les paysans, que ce soit des céréales, que ce soit même le croît du bétail, ça ne peut pas apparaître. La dîme, en général, c'est entre 7 et 8%, donc ça ne correspond pas à l'étymologie du terme. Hein. Dans certaines régions, c'était 3%, hein, dans le sud de la France, dans d'autres régions, c'était même 12%. Donc il ne sera pas question non plus du casuel, c'est-à-dire ce que les paysans payaient au curé de la paroisse lors des cérémonies, pour le baptême, pour le mariage, pour
les enterrements, ça n'apparaît pas non plus. Voilà. Donc quelques éléments que l'on ne peut pas trouver parce que ce type de document ne peut pas informer sur ces sujets-là. Alors, ce texte ne peut pas informer non plus sur l'ensemble de la société comme je vous l'ai dit. Bon, alors, ensuite, on va passer. Oui, grand A. À tout ce qui concerne, on va reprendre le texte maintenant, tout ce qui concerne l'ensemble des terres. Et là, je vais organiser mon propos de la manière suivante. Dans un premier temps, on va voir tout d'abord quel est le lien sur le plan de la propriété entre le seigneur et le roi, et puis ensuite on va voir, en termes de propriété toujours, le rapport entre le seigneur et ses paysans. On va distinguer les deux. Tout d'abord par rapport au roi, il est indiqué, et on le voit à la ligne numéro 4, que cette seigneurie de Pont-en-Veille-en-Bresse est mouvant en fief de sa majesté. Autrement dit, le suzerain de la comtesse, qui est seigneur de Pont-en-Veille, c'est bien le roi. Elle dépend directement du roi. À cette époque-là, il faut vous dire qu'il y a toute une série de personnages qui intervenaient au Moyen-Âge et qui ont complètement disparu. Vous devez vous dire que la Bourgogne et la Bresse, eh bien, sont composés de seigneuries qui dépendent directement du roi. Il n'y a plus tous ces intermédiaires que l'on trouvait à l'époque féodale au sens strict, c'est-à-dire au Moyen-Âge. Donc, vous mettez tout d'abord qu'il s'agit d'un fief. Alors, ensuite, par rapport aux paysans, par rapport à la seigneurie elle-même. Alors là, on va voir le statut interne à la seigneurie. Alors, on va distinguer deux choses. Alors, on va reprendre le texte. Je vous ai dit que chez moi, j'ai souligné dans mon texte en rouge, donc ce qui relève de la seigneurie en tant que terre. Au troisième paragraphe, à la ligne 10, il est question de, à la ligne 8 déjà, d'un ancien château. Ben, je vous ai dit que ce château apparemment apparaît complètement délabré. Et puis à la ligne 10, il est question d'un château moderne. Il est indiqué un château bâti à la moderne. Il est supposé qu'il est habitable, comme je disais tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on trouve attenant dans ce château et attenant à ce château? Eh bien, dans le château, on trouve appartement, un lieu où on vit, chapelle, colombier. Alors, ça vous paraît peut-être étonnant que l'on parle de colombier, mais c'était un signe distinctif des seigneurs, d'avoir un colombier. Écurie, c'est bien, seul le seigneur. Des gros laboureurs, il y avait aussi des chevaux de labour, mais enfin, les écuries, seul le seigneur en a, est remise. Et à côté de ça, vous avez un jardin, verger, terre labourable, pré, vigne, haute et promenade. Donc, on va distinguer deux choses. Vous mettez tout d'abord ce qui fait partie, vous vous souvenez comment on parlait, quel était le terme qu'on utilisait au Moyen-Âge pour la partie qui est gérée directement par le maître, par le seigneur ou par son intendant. C'est ce que l'on appelle la réserve. La réserve, c'est tout simplement le domaine seigneurial au sens strict, étroit du terme. La réserve. On appelle ça aussi le faire-valoir direct. Nous l'avons vu au premier semestre, le faire-valoir direct. Alors, dans la réserve, vous avez d'une part des bâtiments, des bâtiments où l'on vit, et d'autre part,
Vous avez, y compris des bâtiments d'exploitation, puisqu'on parle de remise aussi, hein, on parle d'écurie. Et à côté de ça, vous avez, dans la réserve, un certain nombre de terres destinées à des usages divers. On parle de terres labourables. Alors, terres labourables sont destinées à être ensemencées. On parle de prés. Les prés sont destinés donc au bétail, pour le pâturage. On parle de bois peut-être. Non, on parle de vergers. On parle de vignes. Voilà. Alors, à côté de la réserve, vous avez ce que je vous ai expliqué au premier semestre, ce qu'on appelle le faire-valoir indirect. Le faire-valoir indirect, il est composé de ce que l'on appelle ici les censives. Alors, les censives, ce sont les terres qui sont occupées par des paysans, hein, des manants, qui louent la terre symboliquement par le versement d'un cens, on va le voir dans le texte, mais qui payent aussi, hein, quelque chose qui est beaucoup plus lourd, hein, c'est la taille. Mais j'en parlerai plus tard, puisque j'ai prévu une rubrique pour les redevances qui sont payées. Alors, ces censives, on ne connaît pas leur description. Pourquoi ? Il suffit de reprendre le bas du texte. Prenez les lignes, la ligne 30. Il est indiqué que les censives et les droits qui leur sont liés, eh bien, tout cela est énoncé, je cite, en un cahier en forme de terrier contenant les reconnaissances des censitaires, un terrier. Donc vous voyez qu'à côté du document que nous analysons, et qui est donc un aveu et dénombrement de la seigneurie, qui nous renseigne d'une part sur les liens de vassalité de la dame par rapport au roi, qui est le suzerain donc, il y a un autre, et sur la description de ce que doivent les paysans, il y a un autre document où il est indiqué ce que chaque paysan doit par rapport à l'espace qu'il occupe. Ça s'appelle donc un terrier, un document parallèle à l'aveu et dénombrement, un terrier. Mais nous n'avons pas ici, hein, il n'est pas question d'analyser ici, c'est un autre document. Alors, oui, ici j'avais pas indiqué, donc il y avait les terres, bien entendu. Et les sensibles, donc je renvoie, hein, au fameux terrier, que nous ne possédons pas, donc je le mets entre parenthèses. Alors, à côté de cet ensemble de terres, qui est vu du point de vue du seigneur par rapport à son suzerain, de ce point de vue-là on appelle ça un fief, dans ces mêmes terres, du point de vue des rapports entre le seigneur et les paysans, ça s'appelle une seigneurie, évidemment, c'est la même terre, c'est le même ensemble de terres, fief et seigneurie. Mais ici, c'est vu du point de vue féodo-vassalique, et ici, c'est vu du point de vue seigneurial, c'est-à-dire par rapport aux paysans. Donc, c'est un ensemble de terres sur lequel repose un certain nombre de droits, hein, qui sont perçus en argent par le seigneur, ou droits qui peuvent être également judiciaires. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, grand B. Une seigneurie n'est pas seulement un ensemble de terres, c'est une zone de juridiction. Sur laquelle reposent des droits seigneuriaux que nous allons découvrir maintenant. Alors,
Ces droits seigneuriaux sont de deux ordres. Vous voyez, à partir de la ligne 13, vous voyez, il est indiqué droits seigneuriaux. Appartient à la dite dame, à cause de la seigneurie, la justice haute, moyenne et basse. Alors c'est quoi la justice haute, moyenne et basse? La haute justice, c'est tout ce qui relève de la justice criminelle. La justice moyenne, ce sont les délits. Le vol, par exemple. Et la basse justice, ce sont les quasi-délits. Donc c'est ce qui relève, je dirais, à l'heure actuelle, de la justice de paix. Autrement dit, ce sont les conflits de voisinage, les conflits, par exemple, de bornage, hein, de savoir à partir de quel endroit commence le champ de tel ou tel paysan. Ça concerne, par exemple, les conflits concernant la divagation du bétail. Bon, le mot « divaguer », à l'heure actuelle, renvoie en général à un problème mental, mais la divagation, c'est un terme technique qui veut dire que le bétail divague, c'est-à-dire qu'il ne reste pas à l'endroit où il aurait dû paître, et il va, par exemple, empiéter des parcelles qui sont destinées à la culture. Voilà. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle la basse justice. À l'heure actuelle, c'est le juge de paix qui s'occupe de ça. Le problème, quand il y a du Seigneur ici, le Seigneur, c'est quelqu'un qui est au fond une personne privée, n'oubliez quand même pas. C'est une personne privée qui est propriétaire, qui dispose de biens qu'il cherche à faire fructifier. Autrement dit, c'est une sorte de chef d'entreprise. Mais en même temps, et cela a complètement disparu à notre époque, le Seigneur, c'est quelqu'un qui dispose d'une parcelle, d'une partie de l'autorité publique. Vous imaginez, c'est comme si à l'heure actuelle, hein, vous aviez un bourgmestre d'une commune, hein, qui était non seulement propriétaire d'une partie très importante de la commune, pas de toute la commune, parce qu'il y a encore ce qu'on appelle les alleux, qui sont les terres franches, mais enfin, qui posséderait une grande partie de la commune, et qui, en plus de ça, lorsqu'il y a des conflits à l'intérieur de ses propres terres, devrait trancher. Donc, il serait à la fois juge et parti. Heureusement, la Révolution française a mis de l'ordre dans tout cela. Parce que vous voyez tout de suite, hein, à quels abus cela peut conduire. C'est ce qui explique souvent les conflits entre les paysans et les seigneurs. Ils ne sont pas du tout d'accord, hein, de la manière dont un jugement est rendu. Alors, je poursuis. Item, le droit exclusif de nommer les officiers de la dite justice, tels que juge, châtelain, greffier, curial, procureur, postulant et deux sergents. Alors, on est toujours dans la justice. Dans les droits seigneuriaux, il y a d'une part, donc c'est comme ça, en dessous c'est comme ceci, pour respecter la numérotation. Donc, vous avez tout d'abord les fonctions judiciaires du seigneur. Alors, dans ce domaine-là, on a vu qu'il dispose de la haute, de la moyenne et de la basse justice, et qu'à ce titre, c'est lui qui nomme les différents, je ne vais pas dire fonctionnaires, puisqu'ils ne sont pas membres de la fonction publique, ils ne dépendent pas de l'État, les différents agents judiciaires vont pouvoir s'occuper de la gestion des conflits, de les dénoncer, de percevoir les amendes. Vous voyez que ces agents sont très nombreux. S'ils sont très nombreux, ça signifie qu'à cette époque-là, eh bien nécessairement, dans une petite ville comme Pont-en-Veil, il devait y avoir des cumuls. Autrement dit, quand on dit ici
qu'il doit nommer aux fonctions de juge, de châtelain, de greffier, etc., procureur, ben ça veut dire qu'il y a parfois la même personne, et même souvent, qui est à la fois juge et greffier, ou châtelain et procureur, etc., etc. C'est ce que je veux dire. Vous vous souvenez qu'à la ligne 9, on avait vu qu'il y avait une prison aussi. C'était d'ailleurs tout ce qui restait de l'ancien château. Alors, à côté de ces droits en termes de justice, vous voyez que la comtesse, qui est seigneur de Pont-en-Velay, a également des droits de police. Ça se trouve aux lignes 16, aux lignes 16. Dans le droit de nommer des messiers garde-chasse et pêche, garde forestier. Donc là, ils ne sont pas dans une fonction judiciaire, c'est très clairement des fonctions de police. Un garde-chasse, un garde forestier, c'est un garde champêtre si vous voulez. Et alors les messiers, ça c'est un terme que vous ne connaissez sans doute pas. Un messier, c'est celui qui garde les moissons. Ça s'écrit comme ceci, messier. Messier vient d'un mot latin qui est messis et qui veut dire la moisson, le messier. Vous connaissez peut-être ce mois du calendrier révolutionnaire qui va du 18 juin au 19 juillet qui s'appelle Messidor. C'est le mois des moissons, Messidor. Il y a une rue à Bruxelles, qui s'appelle rue du Messidor. C'est la rue du Floréal, justement, qui est un autre mois révolutionnaire. Alors, maintenant, on va passer, à côté des droits seigneuriaux, on va passer maintenant aux redevances. Les redevances qui sont dues à la comtesse. Alors, ces redevances, on va pouvoir les observer à la ligne 19, tout d'abord. Voyez qu'il est question de droits généraux. Et ces droits généraux, c'est quoi? Eh bien, vous voyez que il y a des taxes qui sont perçues dans la ville, donc non pas dans les villages, qui sont nombreux et qui sont cités. Vous vous souvenez qu'à côté de la ville, il y a, autour de la ville, il y a son arrière-pays, et vous voyez qu'il y avait comme village, attendez, je vais essayer de les compter, Bissienne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y avait 10 villages et il y avait 2 hameaux. On est bien d'accord? Donc il y a une ville, une petite ville, 10 villages et 2 hameaux. Et bien ici, dans la ville, le seigneur, par l'intermédiaire de ses agents, perçoit chaque jour des taxes. On dit à la ligne 21, donc en un droit de l'aigle dans la ville et faubourg du pont de Veille, qui consiste à percevoir chaque jour de foire qui s'y tiennent 2 sols, c'est-à-dire 2 sous, par chaque tête de grosse bête et 3 deniers par chaque tête de mouton qui s'y vend. Donc, il y a d'abord les redevances qui sont perçues donc en ville. Alors, vous voyez que le tarif de ces taxes est mentionné, mais qu'il n'y a pas dans le texte de globalisation de toutes ces taxes. C'est bien des taxes, c'est pas des amendes, hein, on est bien d'accord. Alors que, dans les dernières lignes du texte, je ne sais pas si vous en souvenez, là, il y a une globalisation des redevances perçues sur les paysans. On va le voir tout à l'heure. Alors maintenant, on voit
ce qui est perçu dans les villages. Alors, dans les villages, on vous dit... Alors, regardez le dernier paragraphe. C'est ce qu'on appelle les rentes nobles. Les rentes nobles. Item appartient à la dite dame, à cause de sa seigneurie, les rentes nobles qui consistent en cens et tailles, qui se perçoivent en gros deniers, sol, obol, poule, noix, seigle et froment, sur les maisons, cours, jardins, prêtères, bois et vignes, les 10 cens, emportant l'eau et vente, à raison du 6e denier. Alors, on va essayer de décrypter tout ça. Alors, dans les villages, vous voyez qu'il y a tout d'abord un premier impôt qui est perçu, c'est d'abord le cens. Alors, le cens, il repose sur quoi? Eh bien, vous voyez que le cens, lui, il est payé en argent. Donc, le cens est payé en argent. Vous voyez cela? À la ligne 28, qui se perçoivent en gros deniers, sol, obol. Alors, je vais vous faire peut-être, sous le panneau de gauche, vous expliquer le système monétaire donc la France au XVIIIe siècle. À l'époque de Louis XIV, donc à la fin du XVIIe siècle, il y a une monnaie qui sert de référence, c'est la livre tournois. À partir de 1726, d'ailleurs, le système monétaire est stable jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Donc, à l'époque qui nous intéresse, en 1773, on a le même rapport, si vous voulez, entre les différents types de monnaie que je vais vous citer maintenant. Vous vous souvenez peut-être que lorsqu'on avait étudié le domaine carolingien au 8e et 9e siècle, je vous les avais expliqué à l'époque que Charlemagne avait instauré une réforme monétaire, on était passé du bimétallisme de l'époque mérovingienne, où on utilisait l'or et l'argent, un système monométallique, où on ne va plus utiliser que l'argent, plus l'or. L'Empire romain, vous vous souvenez qu'il y avait même un système trimétallique, hein, puisqu'on avait également le cuivre. Alors, ce système, tenez-vous bien, le système de Charlemagne, d'équivalence et de rapport entre les monnaies, il va tenir le coup, hein, jusqu'à la Révolution française, et on peut même dire que jusqu'il y a maintenant une quarantaine d'années, ce système était toujours d'application en Grande-Bretagne, alors que la Grande-Bretagne n'avait jamais fait partie de l'Empire carolingien. C'est le rapport de 1 livre égale 20 sous égale 242 livres. Ça vous rappelle quelque chose? Oui. 1 livre égale 20 sous égale 242 livres. Alors, il y a des monnaies qui se sont ajoutées entre-temps. La monnaie a dévalué. C'est au Moyen-Âge, l'époque de Philippe le Bel, celui qu'on appelle le roi faux-monnayeur. Et donc, au-dessus de la livre tournois, il y a encore d'autres monnaies. C'est comme maintenant, hein, 1 livre égale 20 sous égale 240 deniers. Seuls les deniers sont des pièces de monnaie sonnantes et trébuchantes, ainsi que les pièces qui se trouvent en dessous des deniers. Mais toutes les monnaies qui se trouvent au-dessus, ce sont en fait des monnaies de compte, ce n'est pas des monnaies concrètes. On ne peut pas les avoir, on ne peut pas avoir une livre tournois en main. On ne peut pas avoir des sous en main. On ne peut avoir que des deniers en main. Ça va? Bon. Alors, le système qui est mis en place et qui existe au XVIIIe siècle en France, c'est je vais vous donner les équivalents, c'est un louis d'or, évidemment, louis, la France s'appelle louis, donc c'est original, un louis d'or, hein, équivaut à 8 écus d'argent. Équivaut à 8 écus d'argent. Ça équivaut, alors,
A. 24 livres tournois. Ça va jusque-là? 24 livres tournois. Alors, une pistole. Il n'existe pas réellement, si vous en êtes compte. Eh bien, une pistole correspond à 10 livres tournois, ce qui équivaut, d'après le système d'équivalence que je vous ai donné tout à l'heure, 1 livre égale 20 sous égale 242 livres, le mot sous et le mot sol sont équivalents, bien entendu. Hein, quand on dit 10 sol, ça veut dire 10 sous. Hein, ça vient du mot solidus en latin, ça remonte à l'Empire romain. Alors, ça équivaut donc à 200 sol ou sous. Ça équivaut à 800 liards. Vous connaissez peut-être encore l'expression quand on dit quelque chose qui ne vaut pas un liard. Et ça correspond encore à, si mes calculs sont justes, j'ai fait un petit calcul ce matin, à 2400 deniers. Ça va? Voilà, donc ça c'est le système d'équivalence. Les oboles, il me semble qu'au XVIIIe siècle, c'est toujours la même équivalence que depuis plus de 1000 ans. Un denier égale deux oboles, sauf erreur de ma part. Donc ce serait une pistole, ben, ça vaut 4800 deniers, si on voulait aller jusqu'au bout. Entendu ? Vous savez que le terme obole, on l'utilise encore pour dire donner son obole dans une église, par exemple. Ben, c'est donner participer en tout cas à l'entretien de l'église, par exemple, pour les pauvres. Hein. Voilà. Alors, j'étais en train de vous parler du sens. Alors, le sens, lui, il est payé, vous voyez, en gros denier, sol, obole. Donc c'est bien de la monnaie, on est bien d'accord. Ce sens est assez symbolique. Donc ce n'est pas ce qui coûte, ce qui pèse lourdement dans le budget d'un paysan. Ce qui pèse lourdement dans le budget d'un paysan, ce sont les tailles. Vous voyez, toujours à la ligne 28, les tailles. Alors les tailles, entendons-nous bien, les tailles dont il est question ici, aussi si je l'écris au singulier, donc la taille, ça n'a rien à voir avec la taille royale dont je vous parlais tout à l'heure, hein, à laquelle s'est ajoutée la capitation le 20e puis le 10e. Ça c'est un impôt royal, il y a la taille royale, mais à côté de la taille royale, il y a la taille seigneuriale. C'est un autre impôt. Ce que l'on appelle aussi le champart dans certaines régions. Ici, il est marqué la taille. Hein, bon. Dans certaines régions, on parle de champart. Et vous vous souvenez peut-être, lorsqu'il y a 3 semaines, nous avons étudié ensemble les campagnes wallonnes du 16e au 18e siècle, ça s'appelle aussi le terrage. Donc, les termes varient suivant les régions, mais ils renvoient à la même réalité, même si évidemment, il n'y a aucune unité dans le système, les tailles peuvent être lourdes à certains endroits, légères à d'autres. Il s'agit bien ici, je répète une dernière fois, de taille seigneuriale. Ce n'est pas la taille royale dont j'ai parlé donc, il y a 15 jours, dans mon exposé sur justice et finances sous l'Ancien Régime, où là je vous avais expliqué qu'il y avait deux types de tailles, suivant que vous étiez dans le nord de la France, la taille personnelle, ou dans le sud de la France, la taille réelle. La taille personnelle reposant sur, comme le nom l'indique, sur chaque individu, sauf sur les privilégiés, hein, tandis que la taille réelle, elle repose sur une terre, quel que soit le statut, hein, de celui qui la paye, qu'il soit noble, roturier ou ecclésiastique. Voilà, autrement dit,
vous souvenez peut-être que la taille royale, quand elle est réelle dans le sud du pays, peut être payée par un noble s'il possède une terre roturière. Uniquement s'il paye une terre, s'il possède une terre roturière. Donc c'est le statut de la terre qui détermine le fait de payer ou non donc cette fameuse taille réelle qui repose sur la chose. Alors, il y a enfin... Alors, non, cette taille réelle, elle consiste en quoi? Regardez, toujours à la loi 28. Poule, noix, seigle et froment. Ça veut dire qu'ici, les tailles sont payées en nature. Ce n'est plus payé ici en argent. En argent, c'est pour le sens. Ces tailles sont très lourdes. Elles sont payées en nature. Alors, vous voyez qu'on peut diviser d'une part la taille en deux catégories, si vous voulez. C'est d'une part les poules, les noix, mais la plus grande partie de la taille repose évidemment sur les céréales panifiables, à savoir le seigle et le froment. Les tailles sont portables. Ça veut dire que les paysans doivent effectivement porter la partie de leur récolte qui est due au seigneur. On l'a portée au château. Tandis que la taille royale, dont je vous parlais il y a un instant, elle est quérable. Ça veut dire que là, il y a des percepteurs d'impôts qui viennent la chercher. Ça va? La distinction entre impôt portable et impôt quérable. Alors, dans le texte, il reste enfin toujours, dans le cadre des villages, mais c'est le cas aussi en ville d'ailleurs, il y a, enfin je crois que c'est seulement... Oui, non. C'est en tout cas valable au moins pour les villages. On dit l'édicence emportant lot et vente à raison du sixième denier. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ça? Lot et vente à raison du sixième denier. Lot et vente. Lot, on l'écrirait avec un T à l'heure actuelle. Hein. Lot et vente. Au sixième denier. Alors, c'est ce qu'on appelle des droits de mutation. À l'heure actuelle, quand vous achetez un bien, quand vous le vendez, ou quand vous héritez d'un bien, eh bien, vous devez payer des droits de succession, ou des droits de vente, enfin, vous devez, des droits d'achat plutôt. Donc, vous devez non seulement enregistrer l'acte, mais vous devez encore payer des droits. Alors, vous vous souvenez d'ailleurs que la comtesse elle-même, dans cet aveu et dénombrement de la seigneurie de Pont-en-Veil, elle-même est dans cette situation-là, vis-à-vis de l'État central. Mais ici, les lots et ventes dont il est question, c'est évidemment ce que les habitants de la seigneurie doivent payer. Ils doivent payer cela à qui? Mais de nouveau à la comtesse en tant que titulaire de la seigneurie. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que les redevances qui sont perçues par la comtesse en ville ne sont pas quantifiées globalement. On vous dit ce que l'on doit payer lorsque l'on achète du bétail. On vous dit, voilà, si c'est un bœuf, c'est la grosse tête, ou si c'est un mouton, j'essaie de trouver les termes qui sont utilisés. On vous dit, oui, s'il s'agit d'une grosse bête ou s'il s'agit... Alors, une grosse bête, c'est 2 sols, et pour un mouton, c'est 3 deniers. Donc, vous voyez, le rapport, c'est intéressant de noter. Une grosse bête, ça peut être un cheval aussi, ceci dit. Mais vous voyez tout de suite la différence qu'il y a
de rapport entre donc, un bœuf ou un cheval, donc 2 sous et 3 deniers pour un mouton. Je vous conseille de regarder peut-être le tableau et l'équivalence, les équivalences qui sont mises de l'autre côté. Donc, on voit tout de suite le rapport entre les deux. Tandis que, autant en ville, on n'a pas les revenus globaux de la comtesse, pour ce qu'elle touche donc, tandis que pour la campagne, pour les villages, on le voit. Il est indiqué à la ligne 31, lesquelles rentes nobles ci-dessus produisent annuellement 7 à 800 livres. 7 à 800 livres, voyez un petit peu ce que ça donne. Hein. Éventuellement, si ça vous dit, vous pouvez faire le calcul pour voir à quoi ça correspond. Ça fait combien de pistoles, Guillaume? Ça fait combien de pistoles? 7 à 800 livres. 7 à 800 livres, ça fait 70 à 80 pistoles. Exactement. Donc, entre, on est bien d'accord, entre 70 et 80 pistoles. On est bien d'accord. Et on pourrait faire ce calcul, évidemment, par rapport aux louis ou par rapport aux écus. En fait, ça représente très peu de choses. Et on arrive tout doucement à la conclusion. Hein? Donc, on va passer maintenant au grand... Au grand 3 même, je n'écrirai de toute façon que le titre de conclusion. Si l'on fait le bilan de ce que nous apporte comme information ce document, tout d'abord on voit que les revenus du seigneur, en l'occurrence ici la comtesse, ne viennent pas principalement des redevances qu'elle perçoit. Pour les paysans, c'est lourd, évidemment, qu'ils doivent payer pour la taille, surtout. Parce que le sens, je vous ai dit, c'est relativement symbolique. Les lots et ventes, c'est rare. Mais par contre, la taille annuelle, ça, c'est autre chose. Pour les paysans, c'est beaucoup. Mais pour la comtesse, vous voyez que ça ne représente pas grand-chose finalement, 7 à 800 livres, et alors on vous dit d'ailleurs suivant le prix des denrées. Ben oui, parce que chaque année, les, comment dirais-je, le prix du blé, le prix du sel varie, c'est un petit peu logique, y compris, on parle également des noix, des poules, ça, ça varie beaucoup, enfin, ça peut varier beaucoup s'il y a épidémie. S'il y a épizootie, c'est-à-dire une épidémie chez les animaux, s'il y a un été pourri, si l'hiver est pourri. Et donc, vous connaissez les aléas à l'heure actuelle encore pour les agriculteurs qui, d'une année à l'autre, peuvent être considérés qu'ils ont fait une bonne saison et l'année suivante être pratiquement ruinés parce qu'ils fonctionnent presque à flux tendu et ils n'ont pas la possibilité, évidemment, de faire beaucoup d'économies. C'est le gros problème des agriculteurs, hein, et des éleveurs aussi, bien sûr. Vous vous souvenez à l'époque de la vache folle, où, enfin, il y a eu des indemnités, ceci dit. Hein. Enfin, il y a des gens qui ont vu complètement leur exploitation s'effondrer à ce moment-là. Pensez aux cochons, aux moutons, aux poules, etc. Quand il y a des épizooties, ça peut être très très grave. Alors, l'essentiel des ressources, justement, de la comtesse, eh bien, s'il ne relève pas de la taille des redevances, même des redevances en ville, il faut aller chercher où les revenus du Seigneur? Il faut aller les chercher ici, puisque ce n'est pas ici que ça se trouve, puisque ce n'est pas les redevances des paysans qui permettent de lui permettre de mener grand train, c'est sur sa réserve, c'est-à-dire dans le fameux faire-valoir direct. Et donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la réserve, c'est la partie des terres qui sont gérées et exploitées directement par le Seigneur ou par un de ses intendants. Alors, qui travaille sur ces terres? Ben, ce sont des paysans qui, le cas échéant, sont des serres, mais des serres
sont quand même relativement peu nombreux à la fin de l'Ancien Régime. On a calculé que ça ferait 1,5 million de serfs, mais à la fin du XVIIIe siècle, au moment de la Révolution française, il y a 28 millions de Français. Il y avait 20 millions de Français à l'époque de Louis XIV, il y en a un peu moins de 30 millions au moment de la Révolution française. Donc les serfs sont peu nombreux. Il y a par contre des saisonniers, c'est-à-dire des journaliers, des gens qui viennent travailler à la semaine, mais quand il y a la fauchaison, lorsqu'il y a les semailles, lorsqu'il y a les moissons, lorsqu'il y a les vendanges. Il faut savoir que sous l'Ancien Régime, et ça intéressera certainement certains, la proportion des terres consacrées aux vignobles était beaucoup plus importante que maintenant, hein, en France, mais aussi en Belgique. C'est quelque chose que l'on ne sait pas, mais il y a vraiment une grande différence par rapport. Et d'ailleurs, les terres où on exploitait les vignobles montaient beaucoup plus haut qu'à l'heure actuelle. La seigneurie, vous l'avez compris, est composée de... Il y a deux types de propriétés. Le seigneur a la propriété éminente sur les terres de sa seigneurie. Éminente. Les paysans n'en ont que la propriété utile. Ils sont aussi propriétaires d'une certaine manière. Ce ne sont pas vraiment des locataires. La preuve que ce ne sont pas des locataires, c'est qu'ils sont... leurs censives sont héréditaires et que eux-mêmes, lorsqu'ils lèguent ou lorsqu'ils vendent, ils peuvent vendre leurs censives, ils paient les droits de mutation. Un locataire que je sache à l'heure actuelle, lorsqu'il décide de partir, il est évident qu'il n'y a pas de droit de mutation à payer devant le notaire. D'ailleurs, il est locataire, il n'est pas propriétaire, tandis qu'à cette époque-là, dans la seigneurie, il y a deux propriétaires, si vous voulez. Il y a le seigneur qui est propriétaire éminent, et la propriété éminente est reconnue par le versement de ce cens annuel, mais qui est essentiellement symbolique. Et il y a d'autre part la propriété utile, c'est-à-dire la propriété sur laquelle le paysan, sur laquelle il profite de l'usufruit. Dans usufruit, vous avez le mot usus, qui veut dire usage, et fructus, hein, qui veut dire le fruit. Le fruit, c'est le résultat du travail du paysan. Mais une grande partie de cet usufruit, enfin, une partie considérable, en tout cas pour des gens qui vivent vraiment sur la corde à cette époque-là, part justement par le biais de la taille, de ce fameux champard, de ce terrage, chez le seigneur. Donc c'est une situation telle que nous ne la connaissons pas. Plus aujourd'hui. Voilà, mais je crois vous avoir expliqué l'essentiel, j'espère que vous avez compris ce que c'est qu'une seigneurie, que les seigneuries sont importantes en nombre dans le nord de la France. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit que toute terre a un seigneur, nulle terre sans seigneur, c'est une formule que l'on utilise, autrement dit, les seigneuries, la seigneurie constitue l'institution, je dirais, essentielle. La plupart des terres sont constituées sous forme de seigneurie. Il y a toutefois à côté de ça des alleux. Au Moyen-Âge, je vous ai expliqué que les alleux, c'était des terres franches, libres donc. Tandis que dans le sud de la France, là au contraire, les alleux sont beaucoup plus nombreux. Et là, l'adage, c'est que une terre qui n'a pas de seigneur est réputée libre. Donc, on inverse la proposition, l'adage. Je vous montre maintenant quelques livres, comme d'habitude. Alors, un ouvrage que je vous ai déjà cité à plusieurs reprises, c'est le lexique historique de la France d'Ancien Régime chez Armand Collin, de Viard et Cabourdin, dans la collection U. Vous avez dans ce livre des définitions pour tous les termes que j'ai utilisés aujourd'hui. On vous explique de manière détaillée ce que c'est qu'un cens, ce que c'est que la taille. On distingue la taille seigneuriale de la taille royale.
royale, on explique ce que c'est que des louer ventes, ce que c'est que la réserve, ce que c'est qu'une tenue, c'est l'équivalent, c'est un synonyme pour sensible, etc., etc. J'espère que vous avez quand même retenu, au bout de mon exposé, au bout de mon cours, que une seigneurie, c'est un territoire strictement délimité dans l'espace. Hein. Et je peux vous dire qu'on calculait ça, l'équivalent des géomètres aujourd'hui, précisément. Et il n'y avait pas de terre où on ne savait pas très bien qui était seigneur ou pas. C'était très clair. Donc c'est un territoire précisément délimité, sur lequel, territoire sur lequel repose en fait un certain nombre de droits profitables au seigneur. Ces droits, ils peuvent être économiques, sous la forme de redevances qui sont perçues dans des circonstances diverses, que j'ai mentionnées aujourd'hui, et à côté de ça, le seigneur a également des droits de justice et de police. Et ça, c'est un héritage, je dirais, du Moyen-Âge, hein, lorsqu'on était passé du fameux domaine mérovingien de la villa carolingienne, 8e, 9e siècle, à la seigneurie classique, 11e, 12e, 13e siècle, hein, puisque c'est à ce moment-là qu'elle se met vraiment en place, 11e et 12e siècle, système où les seigneurs se trouvent dépositaires d'une partie de l'autorité publique. Et ce système tient, tenez-vous bien, jusqu'à la Révolution française, jusqu'il y a 200 ans. Alors, sur l'histoire rurale de la France, j'ai apporté le tome 1, parce que le tome 2, en fait, ce sont des notes explicatives, d'un ouvrage pionnier, publié en 1931 par Marc Bloch, ce grand médiéviste fondateur, 2 ans plus tôt, avec Lucien Febvre, de la revue Les Annales d'Histoire économique et sociale. Alors cet ouvrage, publié chez Armand Collin, s'intitule « Les caractères originaux de l'histoire rurale française ». Il y a 2 tomes. Et ça concerne le Moyen-Âge et les temps modernes, même le 19e siècle. Alors, je vous ai apporté également le tome 2, celui qui concerne les temps modernes, qui va du 14e siècle à la fin du 18e siècle, de l'histoire rurale, de l'histoire de la France rurale, sous la direction de Georges Duby et Armand Wallon, ou Wallon, comme disent les Français. Alors, ce tome 2, est consacré donc au temps moderne et il était dirigé par Emmanuel Leroy-Ladurie qui a précisément rédigé le chapitre qui nous intéresse puisqu'il couvre la fin du XVIIe siècle et XVIIIe siècle. Donc c'est le dernier chapitre, le 3e chapitre qu'il faut lire pour introduire le sujet que nous avons traité aujourd'hui. Alors, sous la direction de Fernand Braudel et Ernest Labrousse, Histoire économique et sociale de la France, j'ai apporté le tome 2, qui couvre la période 1660-1789. Presse universitaire de France. Alors, un petit livre que j'ai déjà eu l'occasion de vous montrer, qui est très pédagogique, « Pouvoir et société dans la France d'Ancien Régime », qui est dû à Vincent Millot. Dans la collection 128 chez Nathan Université. De Pierre Goubert, ce grand historien d'Ancien Régime, le tome 1 de son livre L'Ancien Régime est consacré à la société et il y a un chapitre important consacré justement à la vie dans la campagne et au fonctionnement des seigneuries. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des aspects qui pouvaient être traités à partir de ce document. Il est évident que tout ce qui concerne le cadre paroissial, pas seulement sur le plan spirituel, mais également sur le plan fiscal, puisque la paroisse était l'unité administrative et fiscale de base sous l'Ancien Régime, il n'a pu être question ici non plus, parce que ça ne pouvait rien tirer. N'est pas traité non plus, tant que par mal va bien déjà. La deuxième avion qui vient de faire. Voilà. Ça n'a pas été.
disait, il ne pouvait s'être exposé à côté de la seigneurie ni du cadre paroissial, ni non plus de la communauté villageoise dans laquelle, qui décidait de toute une série de choses très très importantes concernant par exemple le calendrier agricole ou la conservation des droits des paysans face aux seigneurs. J'ai un de mes ancêtres d'ailleurs qui a été assassiné en 1746, qui s'appelait Guillaume Dufailly, qui était notaire, et il a été assassiné parce que il défendait les droits des paysans, c'est mon ancêtre direct, les droits des paysans à Sprimont, hein, Sprimont qui se trouve actuellement dans la province de Liège, et ce sont des agents du seigneur qui l'ont tué parce que il était un peu trop vindicatif. Il y a un de ses descendants, comme vous le savez peut-être, a hérité de ce côté justement un petit peu revendicatif lorsqu'il s'agit de défendre les droits des travailleurs. Alors, de Jean-Pierre Buton, La sociabilité villageoise dans l'ancienne France, chez Hachette. Alors, vous avez plusieurs chapitres consacrés justement au fonctionnement de la seigneurie. De Pierre Goubert, Les paysans français au XVIIe siècle, dans la collection La vie quotidienne chez Hachette. Un ouvrage essentiel. Alors, vous allez me dire que ça concerne le XVIIe siècle, mais en gros, vous devez vous dire qu'il y a eu effectivement une croissance économique à partir des années 1725-1740, surtout au XVIIIe siècle, mais en gros, la vie des paysans est restée la même jusqu'à la Révolution française. Alors, un ouvrage qui a fait date à l'époque, et salué justement par Pierre Goubert, de Émile Mirault, Une province française au temps du grand roi Louis XIV Laverie. C'est un ouvrage publié chez Hachette, un ouvrage tout à fait remarquable, agréable à lire. C'est un historien qui est devenu économiste de profession, mais qui avait gardé toute son acuité critique. C'est un ouvrage très très bien fait et qui concerne vraiment tout à fait notre sujet, en dehors évidemment de la province traitée. Alors, l'abrégé d'une thèse de doctorat, Les paysans de Languedoc, dans la collection Sciences Flammarion d'Emmanuel Leroy-Ladurie, dont je vous ai parlé souvent dans le cadre de ce cours. C'est en fait l'histoire d'un grand cycle qui va du XVIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle. Il a travaillé à partir des comtois qui sont en fait les cadastres du sud de la France. Alors, quatre ouvrages marxistes. D'Albert Soboul, La crise de l'Ancien Régime dans les grandes civilisations chez Artaud. En fait, c'est le tome 1 d'une série qui en comprend 3, La civilisation et la Révolution française. Mais ne vous trompez pas, le sous-titre est plus important, La crise de l'Ancien Régime, c'est vraiment la deuxième moitié du XVIIIe siècle dont il est question dans ce livre, d'un auteur que j'ai connu d'ailleurs, en rencontrant chez une amie qui nous avait invités ensemble à passer la soirée, et c'était le grand historien de la Révolution française qui enseignait à la Sorbonne, et il se faisait appeler, on l'appelait tous Marius, alors que son nom de famille c'est... son prénom c'est Albert Marius, j'imagine que ça remontait évidemment aux souvenirs liés à la Révolution française, parce qu'au moment de la Révolution française, il y avait beaucoup de révolutionnaires qui portaient des prénoms romains, puisque l'époque romaine était mise à l'honneur à cette époque-là, et je pense par exemple à Gracchus Babeuf, hein, qui est ce premier communiste. Alors, du même Albert Soboul, Problème paysan de la Révolution, ça couvre la période 1789-1848, mais il y a plusieurs articles, chapitres importants consacrés au thème qui nous a retenu aujourd'hui, les seigneuries à la fin du XVIIIe siècle. Publié par le Centre d'études et de recherches marxistes sur le féodalisme aux éditions sociales. Ça ne concerne pas le Moyen-Âge, vous pouvez le penser, mais ça concerne surtout les temps modernes, et ça concerne aussi, sauf erreur de ma part, le Maghreb précolonial.
enfin de Maurice Dopp et de Paul Suisy, du féodalisme au capitalisme, problème de la transition. Ça nous concerne directement par rapport au sujet traité aujourd'hui également. C'est le sujet qui intéressait au premier chef les historiens marxistes. Alors, je voudrais également vous citer, vous montrer l'ouvrage de 1789, Les Français ont la parole. Ce sont les cahiers, les extraits des cahiers des États généraux, donc des revendications, entre autres, des paysans, hein, du tiers-État, au moment de la Révolution française, enfin, au début, hein, puisque les États généraux avaient été convoqués dès 1788 par Louis XVI, et c'était ouvert début mai 1789. Donc ces textes sont présentés par Pierre Goubert et Michel Denis. Alors, vous devez, lorsque vous préparez vos leçons, utiliser des documents originaux. Et bien, dans ce petit livre publié chez Julliard, vous avez de très nombreux textes commentés. Enfin, il ne faudrait quand même pas oublier qu'il existe des manuels de l'enseignement supérieur où on vous explique comment commenter, comment analyser les textes, et je vous renvoie en particulier, là c'est un ouvrage général qui va de l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine, à l'ouvrage Le commentaire de texte en histoire de Christiane Deluz, Éric Nadeau, Denise Turel et François Vanier, publié chez Ellipse.